Bah voilà, après la petite pause, on va attaquer la partie 4 avec une petite descente sur Frontigny. Et on va voir ce que ça donne pour la traversée. Bon bah c'est parti. Bon bah accélération. Hein. Bon là ça va, c'est de la descente. Hein. Mais bon, c'est pas le tout de descendre. Après faut gérer, c'est l'arrivée. Yeah! Ah bah c'est tout de suite plus sympa. Ah. Wouhou! Oh, ils ont mis une barrière normalement. Ouais, bah voilà. Ah, un toutou. Ah non, c'est un chat. Oh, le chat. Oh, problème de. Faut passer la barrière. Oh, il est mignon, le matou. Comment je lui ai fait trop peur. Bon. Alors, évidemment, la barrière est super agréable à passer. Hein. Truc super étudié. Ah, ils ont refait le macadam là ou non? Ah non. Ah, bah si. Si, si, ils ont refait le macadam. La dernière fois que j'y suis passé, le macadam était tout pourri. Ah oh, bah voilà. Oh, c'est cool. Bon. Allez, on va descendre tranquillou. Normalement, il n'y a pas de sous-sail. Oh, mais ils ont tout refait ici. Ah, oh, génial. Bon, le problème, c'est qu'il y a un petit virage serré à droite au bout de la descente. Alors ça, par contre, ça, c'est vachement pas étudié. Ah, tant pis, on va pas le prendre hein, parce que ça va être trop serré. Voilà. J'aurais dû tourner là, mais bon. Vu la vitesse, c'est pas une bonne idée de faire des virages trop serrés. Voilà. Stop. Si je veux. Trop méchant. Pourquoi est-il aussi méchant? Parce que. Donc en fait théoriquement on fait la petite boucle là, on tourne ici à gauche.